Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez nos Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcisse Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcisse Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Ma voix se porte assez bien aujourd'hui. Le gouvernement, un trimestre de perdu, Fatih bloqué. Alors que la RDC fait face à plusieurs urgences, mesdames et messieurs, c'est le forum des As. Je voudrais en même temps, Tomeka, Susuko réfléchir, Ponambo, Kanabiso, bien évidemment, c'est notre travail. On n'a que ça à faire, on n'a que ça à contribuer Ponambo, Kanabiso. Il est vrai que Tolinga, Tolingate, on vient de perdre 2 ans, mais il faut ajouter, na 2021, oyo, pour perdre 3 mois déjà. Janvier, février, mars, pour perdre. Ça, il faut le reconnaître et s'attendre dans le mois d'avril. Mais rassurez-vous, le mois d'avril, dans la conception de la politique, il y a pratique, autres annonces, le mois d'avril est aussi perdu. Parce que ça va être un mois d'investissement et dans l'investissement, on ne gagne pas tout de suite, il faut attendre un peu. Ce qui peut nous amener, si on traîne encore le pied, ça peut nous amener tin à mois de juin ou juillet. Une fois qu'on est dans le mois de juillet, alors on a épuisé la première partie du mandat. Or, c'est la première partie du mandat qui permet aux gens de comprendre la seconde partie. Comment ça va se passer dans la deuxième partie. Mais si vous avez lamentablement traîné les pieds, échoué dans la première partie, il a toujours été difficile pour remonter la pente. Ça a toujours été difficile. Vous voyez, j'ai dit difficile, je n'ai pas dit impossible. Il faut maintenant des exploits pour réussir. Ce que vous aurez pu faire dans 5 ans, il va être difficile que vous le fassiez en 2 ans et demi. Encore que dans les 2 ans qui vont rester, il ne restera plus qu'une année parce que l'autre année est une année électorale. Lorsque vous êtes dans une année électorale, eh bien vous savez comment ça se passe. Il y a beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de promesses à tenir, beaucoup plus de meetings à faire. Et très souvent, quand on est un bon républicain, quand on est un bon démocrate, il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce qu'on est en fonction et en même temps candidat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je le dis, souvenez-vous, lorsque le chef de l'État avait pris le pouvoir, je l'avais dit que si le chef de l'État ne fait pas attention, n'a paradigme au Kabila Tikaki, les choses ne vont jamais aller de mieux, disons, et qui n'est jamais bien. Et ce n'était pas une blague, c'était vrai. Vous n'avez aucune idée du piège dans lequel le pays est placé. Et depuis très longtemps, ce piège, ce n'est pas un homme qui l'a piégé. Ce piège, c'est le concours de tous les hommes. Notre échec est collectif. C'est vrai, à des proportions bien gardées, mais notre échec est tout simplement collectif. Nous avons, à un moment donné de l'histoire, connu ce qu'on appelle, ce que les autres ont appelé des pannes d'imagination, des pannes d'esprit, d'absence d'initiative, de mauvaise analyse. On a fait de mauvais choix. Nous tous, d'une manière générale. Je le dis encore, les responsabilités, c'est vrai, c'est proportionnel par rapport au rang que les gens ont occupé dans ce pays, mais d'une manière ou d'une autre, l'échec est collectif. Nous avons contribué au processus d'euthanasie de ce pays. Nous l'avons euthanasié, ou nous cherchons à l'euthanasier. Or, il fallait
que Moutoumoko à la Mouka, ou un groupe d'individus à la Mouka, il faut changer paradigme. Le problème de ce pays, ça a toujours été un problème de paradigme. Mobutu prend le pouvoir, il ne change pas les paradigmes, malheureusement. Mobutu continue avec le système colonial, mais sans les avantages du système. C'était quoi le système colonial? Le système colonial, c'était le chef, le blanc qui, n'est-ce pas, avait du colon à Tonyoso. Mais ce blanc-là avait un sens d'organisation. Ce blanc-là avait un sens d'anticipation. La preuve, 60 ans après, là où le blanc ont construit, il n'y a toujours pas d'érosion. Là où le blanc ont construit, il n'y a pas d'inondation. Là où le blanc ont construit, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est généralement là où l'homme noir a construit. C'est là où le problème se trouve. C'est là où il y a des érosions, c'est là où il y a des difficultés. C'est là où... bien évidemment, c'est là où il y a toutes ces choses. Ceux qui ont vécu avant nous vont vous dire, à l'époque de blanc, on comptait. C'était pas des... On s'est dit, c'était un qui bloque mon corps, hasardé. Non. On pouvait savoir que la ville de Kinshasa a 300 000 habitants. On pouvait savoir que la ville d'Elisabethville a 250. C'était connu. Et chaque année, on le faisait. Mais lorsque l'homme noir récupère le pouvoir, il va garder le système colonialiste, ça veut dire le système de la de jouissance, le système de gouverner sans résoudre le problème. Eux, ils vont choisir régner. Ils ne veulent pas gouverner. Parce que celui qui règne n'a pas toutes les responsabilités du quotidien. Alors que celui qui gouverne est censé protéger, est censé veiller, est censé anticiper, organiser, promouvoir. Nous, on n'a pas compris ça. Nous, on a gardé la notion du règne. Le président doit régner. Les cortèges, les ambulances, je veux dire les cortèges, les sirènes. Nous avons été bercés par ça. Nous avons tout de suite attaché un chef par la jouissance, par la gloire, par l'honneur et par le nombre de sirènes qu'il traîne ou qu'il accompagne. Et c'est ça qu'on évalue un chef par rapport à ça. Donc, c'est quand vous dites aux gens, il faudrait, ministre, on a ma moto, mais c'est un scandale dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils associent la gestion, disons, ils associent la notion du chef à la jouissance, mais pas à la responsabilité. Or, principalement, un chef n'est pas un jouisseur. Un chef est un responsable. Voilà pourquoi dans les sociétés des hommes normaux, lorsqu'il y a un problème dans une entreprise, on ne regarde pas ceux qui sont en bas, on regarde ceux qui sont en haut. Parce que les Chinois disent, le poisson pourrit par la tête d'abord. Il y a un adage français qui le dit si merveilleusement bien. Qu'est-ce que l'on dit d'ailleurs? On dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a que des mauvais chefs. Ça veut dire, dans un leader, on ne doit pas retrouver les plaintes. Un leader ne se plaint pas, il agit. Un leader n'accuse pas, il assume. Un leader n'a pas peur, il affronte le problème. Parce qu'un leader, c'est la capacité de négocier avec les événements, la capacité d'anticiper, la capacité d'être proactif. Bref, c'est la capacité managériale qui détermine un leader. Et en fonction de quoi? En fonction du choix qu'il fait. Un chef ne peut pas se plaindre des collaborateurs. Non, il ne peut pas dire, moi je n'ai pas de bons collaborateurs. Alors c'est que vous n'êtes pas un bon chef. Parce que votre vision va déterminer le choix que vous allez faire. Si vous êtes un véritable chef, vous avez la vision, mais vous saurez qui accompagne votre vision. Moi, je sais où je vais. Il y a des gens que je ne peux pas amener dans mon train. Je ne peux pas les amener parce qu'ils ne vont me servir à rien. Ce sont des gens que moi, j'appelle de n'importe qui. Un n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. Un n'importe qui, c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans ta vision de faire. C'est ça la notion du n'importe qui. La notion du n'importe quoi. Le n'importe quoi, ce n'est pas tout ce qui est banal. Non, n'importe quoi, c'est tout ce qui n'a rien à voir avec ton idéal. Tout ce qui n'a rien à voir avec ta vision. N'importe où, c'est la même chose. N'importe où, ça n'a rien à voir avec un lieu désastreux ou un lieu obscène. N'importe où, c'est tout ce qui ne peut pas t'amener quelque part. Ça veut dire ce qui n'a rien à voir avec ta destinée. Voilà pourquoi on dit, ah ben, ce gars-là, il va n'importe où. Ça veut dire qu'il va dans les endroits qui n'ont rien à voir avec son idéal. Il va dans les endroits qui n'ont rien à voir avec sa destinée. Si vous voulez voir si un chef va réussir son mandat, on regarde son entourage. Vous allez avoir la réponse immédiatement. Vous n'avez pas besoin de faire des incantations. Vous n'avez pas besoin de prier, demander à Dieu la révélation. Voulez-vous voir l'échec d'un chef? Regardez son entourage, vous comprendrez. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous sommes nous-mêmes convaincus. Quoi que c'est dans le mal, on s'est convaincus en disant non, ça va aller, ça va aller. Il y a des choses qui ne peuvent pas aller du moment où les prémices sont mauvaises. Lorsque vous avez planté vous avez planté un orangier, ne vous attendez pas à cueillir des citrons.
Non. Non, non, pas du tout. Les lions ne mettent pas au monde des chevals. Et les chevals ne mettent pas non plus au monde des souris. Et alors, il faut pas penser que quand on sème le vent, on va récolter quoi? On sème le vent, on récolte la tempête. C'est ce qui arrive dans la vie de tous les leaders. Beaucoup de leaders ont échoué, pas parce qu'ils étaient incompétents, mais parce qu'ils n'avaient pas su traduire leur vision dans le choix qu'ils font. Donc, quand je disais que le paradigme était une question très importante à comprendre, ben, les gens pensaient que c'était de la blague. Le paradigme, c'est quoi? Définissons le concept de paradigme. Parce que pour plusieurs personnes, ils pensent que paradigme, est-ce qu'il y a le mot magie? Non, le paradigme ne veut pas dire magie. Paradigme veut dire modèle, veut dire exemple. Le paradigme, on le puise dans le mot grec, ça veut dire paradigme. Le paradigme est un mot grec qui veut dire tout simplement modèle à suivre, exemple à suivre. Alors, mes frères, comment voulez-vous que le modèle de Kabila puisse faire réussir Félix Tshisekedi? Ou que les modèles du colon puissent faire réussir Mobutu? C'est deux contextes différents. Mobutu, s'il avait pris le concept, il sort qui Mobutu Olanda qui modèle belge. T'aurais dû s'en sortir cacaté. Parce que l'âme du modèle belge n'était pas l'âme de notre pays, c'était l'âme de la Belgique. C'était faire travailler ces gens pour le compte de leur propre pays. Parce que la Belgique était un pays pauvre, vous le savez à l'époque. C'était pas un pays riche. Pas du tout, c'était pas un pays riche, c'était un pays d'abord miné par le tribalisme, miné par l'ethnisme, et on a hérité tout ça. Des divisions entre Wallons et Flamands, c'est des gens qui ne pouvaient même pas te donner des exemples. Bref, mon sujet n'est pas là aujourd'hui. C'est pour justement dire aux gens que nous, au lieu d'adapter les politiques d'ailleurs aux nôtres, nous nous copions et on fait le mimétisme. Ça veut dire on copie, on y va. Toi qui es à Bongo. Ah, le roi Zaki n'a combien de chars? T'es roi Zaki n'a 7 chars. Ok. Bon, c'est l'an 14. Roi Zaki, quand on a mis un bateau dans la main. Ok. Bon, c'est l'an 7 bateaux. On a 30 juin. Roi Zaki, c'est l'an 30 juin. Roi Zaki, il y a un avion. Et pas et tambour la licolo. Il va nous coûter combien? Il va nous coûter 40 millions. Bon, ok. Bon, ça, la 16, quoi. Et coûter combien? Et coûter 80 millions. Allez, c'est pas un problème. Allez-y. C'était comme ça, en fait. La Belgique est vendue la banane. Oh, il y a 300 familles, Bazaki va riche en ce moment-là. Ok, 300 familles. Pour lui, il y a 300 familles en Congo. Bah, on ne peut pas supporter l'économie. Oh. Mais la Belgique, 300 familles, il y a des fermiers, des administrateurs, il y a des siècles, des siècles, des siècles. C'est du labeur, c'est du travail. Vous venez faire la première génération, vous pensez que l'héritage union sonne. Et vous vous attendez à ce que ces gens-là soient beaucoup plus productifs. Non. Un monstre finit par mourir parce qu'il est né en ne respectant pas les conditions naturelles. C'est ça un monstre. Vous ne pouvez pas tenir en vie un monstre parce qu'il est né en violant toutes les règles naturelles et s'imbattait. Mais lorsque les enfants naissent petits, ils grandissent. C'est comme les économies. Les économies ne naissent pas grandes. Maman, il m'a dit, maman, il était. La Chine dit, hein, lorsque la Chine va se réveiller, le monde tremblera. Lorsque la Chine va se réveiller. La Chine ne s'est pas réveillée tout de suite. L'homme qui m'a dit, bouh, il m'a dit, non. Le monde a contemplé la grandeur, l'éveil, la sublimation. Il y a Chine. Nous avons vu 1965, Nguangzhou et Zalakindéni. Quand tu as Internet, comment? Comment ville de Nguangzhou, photo 1965. Talangololo. Ce qu'on place, on a comment? Nguangzhou 2021. Talangololo. Tu vois comment les choses sont en train d'évoluer. Parce que les hommes et les femmes, Nabambo, ils ont compris. Qu'avec les fanatismes, le népotisme, le clientélisme, le despotisme, la démagogie, ces choses ne vont pas changer. Mais Miso Awatosa en plein Bilokoana, c'est-à-dire le paradigme qu'on nous a laissé, Yangoana. Nous ne voulons pas faire des efforts pour changer les choses. Je vais vous donner quelques exemples pour l'Axabino que ce que tu as décidé qu'on changeait un boka si rien ne va marcher. Je vous donne un élément. Regardez dans Congo, tous les gouverneurs, à l'absence, à l'exception de personne, tous sont des affairistes. Tous. Ils sont tous dans les affaires. Bah, tous les gouverneurs, bah, dans les affaires, là, bah. Ça veut dire, quand on nomme gouverneur ou on t'élu gouverneur, le premier but, ce n'est pas de se régler le problème, yambo kawana. Donc, les gens sont dedans. Ils sont dedans, là-bas.
ils sont à la fois le problème et ils font semblant d'être les solutions. Ce sont eux qui donnent les informations aux rebelles. On connaît toutes ces choses. Makambo n'a pas dit qu'on le bango depuis 2 ans. Pour ne pas être en YouTube. Mais ça fait 10 ans qu'on dit les mêmes choses. Lorsque j'étais en train de dire qu'il y a des députés qui sont dans Makambo, qui sont en train de tirer des ficelles, je le dis dans ce plateau. Vous avez vu M. Mbosso. Vous avez vu ce que M. Mbosso a dit. Mais ce que M. Mbosso a dit est grave. Mais c'est comme ça qu'il faut dire les choses. On m'a dit, M. Mbosso, on peut dire tout ce que l'on veut dire. Hein. Mais à un moment donné, les Mobutistes, tous les Mobutistes, ont développé à une certaine période des ras-le-bol. Ils ont développé à un moment donné des ras-le-bol. Parce que Bayebi, problématique qui est Est de la République, Bayebi qui est député, notable, politicien, militaire, jeune, il y a coin, eux-mêmes sont dedans. Moi, j'étais à Béni, je parlais avec des gens de Béni. Ils disent, papa, tu as tolé, tu as bango, tu as bango, tu as boîte, tu bango. Mais au moins, tu as boutou, tu as boutou, tu as boutou. Parce que bakoli a kawana to ebiango des généraux qui ont des milices, mais vous le savez, pourquoi on fait semblant? Pourquoi nous faisons semblant? Pourquoi sommes-nous hypocrites? Ce sont tous les problèmes. Ils sont là, ils connaissent les problèmes, ils les entretiennent parce que pendant que Batmazo Koufana est votre la ngé banda ko tonga makuna. Posez-vous des questions, ils ont l'argent où? Ils font comment pour avoir cet argent là? Et tous babilo kana tout bon la paix et la tracer. Les gens meurent, on va dire tongama, vilain, ça, les mains, y a tout, bongo moko. Autour du bongo, bon, vous faites quoi dans la vie? Écoutez, ils vont se le bélé. Mais ils sont dans l'entreprise meurtrière qui décime les gens. Et comme Mbosso le dit, les gens, comme ils sont toujours hypocrites, oh non, ils ne pouvaient pas dire ça, il faut un langage politique. Quel langage politique? Quand les gens meurent, ils meurent par un langage politique. Quand on massacre les femmes, on les viole là-bas, meurent-ils dans le langage politique? Pour que quand on doit dénoncer une affaire, on doit avoir un langage politique. Vous voyez les hypocrites comment ils sont? C'est comme ça que les hypocrites sont. Ils rappellent toujours aux gens la règle, mais jamais le bon sens. Hein, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dedans. C'est ça le paradigme congolais. Nous connaissons le mal, mais nous nous taisons. Parce qu'on risque de dévoiler des plans qui nous concernent nous-mêmes. C'est ça. Quand on dit aux gens qu'on est inconscient, les gens pensent qu'on est en train de jouer. On est inconscient. Les gens sont inconscients, ils ne mesurent pas les dangers. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut dire. Le changement du paradigme, ça veut dire le changement de modèle. Mais dans le changement de paradigme, comment on fait pour changer un paradigme? Le paradigme, pour le changer, il faut s'impliquer. Le paradigme ne tient qu'à 2 choses, la conception et la perception. Tant que nous n'allons pas changer notre conception de la politique, rien ne va se faire. Moi, je dis au chef de l'État, Monsieur le Président, vous ne réussirez jamais à changer ce pays tant que vous n'avez pas changé la perception et même la conception de la politique. Pour nous, politique veut dire quoi? Dans ce pays, politique veut dire être à l'abri des besoins primaires de sa propre famille. Chez nous, politique veut dire avoir les immunités politiques et parlementaires. Pour nous, politique veut dire bouclier. Je me sers de cette casquette politique pour que je ne sois pas perturbé. Pour nous, politique veut dire avoir des excuses. Et c'est ça pour nous, politique. Ça veut dire soit insulté. Mais l'art de gérer la cité, nous ne le connaissons pas. Au contraire, c'est l'art de piller systématiquement la cité. La politique au Congo, c'est l'art de mentir. Et bien mentir d'ailleurs. Et surtout en français. Ben, si vous connaissez l'anglais, n'hésitez pas de le faire, ça va être un atout. Et c'est ce qui fait des gens aujourd'hui, des gens de guillemets intelligents. Moi, je connais des gens qui ont été ministres, il y en a plusieurs fois dans Bukarabiso, ministres. Mais tout ce qu'il connaît, c'est le français. On peut tout lui refuser, mais on ne lui refusera jamais le français qu'il parle. Est-ce que depuis quand on évalue quelqu'un, un ministre, par rapport à sa qualité de parler français? Et vous savez, c'est des gens que j'ai toujours appréciés ici, quand ils parlent français. Comme un petit blond. Mais quand il faut résoudre le problème, mais comme un facochère, rien du tout. Ils ont été ministres, présidents de l'Assemblée, ils ont été partout. Ça veut dire que c'est des gens qui ont tout fait. Mais quand on pose la question de l'expérience, ah, ils ne sont pas là. Hein. Quand on dit expérience, réalisation, c'est la kinine. Ah, comment font la Kabila? Non, mais comment tu penses qu'on pouvait évoluer à l'époque de Kabila? Ils bloquaient tout. Ok, mais tu as été 13 fois ministre à l'époque de Mobutu. 12 fois, 11 fois, 9 fois, 7 fois ministre. Qu'est-ce que tu as fait? Ah non, mais Mobutu était un dictateur. Bon, tu as été à l'époque des Fachi, ministre alors.
Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais Fatih était avec Kabila. Donc, ces gens-là n'auront jamais des responsabilités. Ils n'auront que des accusations et des excuses. C'est ça la mentalité congolaise qu'il faut changer. La politique, on ne l'a pas pour s'expliquer. La politique, on l'a pour exécuter, pour régler des questions, pour résoudre les problèmes de la société. Pas pour se plaindre. Ou pas pour nous dire des problèmes, comment il y en a. Nous connaissons tous qu'il y a des problèmes. Tous les Congolais savent qu'on a des problèmes. Nous n'avons pas besoin de gens qui viennent nous réciter ces problèmes-là. Nous avons besoin des hommes qui viennent régler les problèmes. Pas de nous parler des problèmes, parce que nous connaissons tous ces problèmes. Je préfère encore que ce soit des analystes qui parlent des problèmes, mais pas l'homme politique. Non, Mouni, Mbokanabiso, Touti Moussika. Non, mais on n'a pas besoin de savoir place Touti Moussika. Parce que tu as vu que Touti Moussika. Si tu as vu que tu es né Moussika. Tu as vu que tu es né Moussika, mais tu as vu que tu es né Moussika. Est-ce que tu es prêt? Il y a comme ma vie sur Kouna. Si on est prêt, alors tu as vu que tu es prêt. Tu as vu que tu es prêt. Pour à tout moment, tu as vu que tu es prêt. Tu as vu que tu es. Allons-y. Nous n'avons pas ces hommes-là. Nous n'avons pas des hommes qui peuvent nous faire regarder dans le futur, quoi, qui peuvent projeter des politiques sévères, des politiques sérieuses. Si vous voulez, des politiques consensuelles, pour qu'on avance. Eux, ils ne sont pas là. C'est des gens qui font des discours dans des salons, des VIP, devant un champagne, avec des filles blanches autour d'elles, autour d'eux, pardon. Ils sont là en train de dandiner. Donc, en goût, et le Congo, on va changer de question, hein. On va changer. C'est ça qu'ils veulent. Mais la vraie politique là pour régler les problèmes des gens, ils ne sont pas là. Balégra chaque jour dans Maman Yemo. Balégra chaque jour dans Maman Yemo. Ils font rien pour Maman Yemo. Mais ils vivent à Kinshasa. L'hôtel des villes, parfois, il y a un mot de Nina Maï. Mais il y a des gens qui sont là. Et vous allez me dire que cette ville est gouvernée. Vous n'avez besoin que de rentrer à Kinshasa pour comprendre que la ville n'est pas gouvernée. Vous n'avez pas besoin de faire des incantations. Il y a un gars à Kitaga à l'aéroport. Tu comprends toi-même directement que cette ville n'est pas gouvernée. Mais la gouvernance de la ville vient de quoi? La gouvernance de la ville va venir de la conception et de la perception que nous avons d'une cité et de sa gestion. Tant que vous aurez des farceurs au sommet de l'État, qui au lieu de travailler, se passeront le temps à se régler de comptes, à se régler, mais on va pas évoluer. On ne va pas évoluer. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut dire aux gens. Tous les politiciens veulent faire les affaires. Mais vous devez choisir. Soit vous faites des affaires, c'est là où vous allez vous enrichir. En politique, on ne vient pas pour s'enrichir. Les riches en politique sont des voleurs. Excusez-moi de dire. Les riches en politique sont des voleurs. En politique, on vient pour servir. C'est de l'apostolat. Un peu comme on va dire du bénévolat. On ne vient pas forcément pour avoir de l'argent. Non, on vient pour régler des problèmes. Si vous voulez avoir de l'argent, faites les champs. Faites les champs, devenez des fermiers. Devenez des fermiers, devenez des opérateurs immobiliers, devenez des éleveurs. Vous aurez beaucoup plus d'argent là-bas. Et puis après, quand vous aurez vos moyens, vous allez venir faire la politique. Mais vous ne pouvez pas venir faire la politique et en sortant, vous avez des fermes. Maintenant, non. C'est-à-dire, c'est quand même contradictoire, non? Sous notre issue, on vient en politique après avoir fait des choses. On vient en politique. Mais chez nous, c'est avant d'avoir fait tout, on vient d'abord en politique. C'est-à-dire, c'est là où on vient puiser tout. Tu es rentré sans ferme, tu sors avec toutes les fermes du pays. Tu es venu, tu n'avais même pas une société. En sortant, tu sors avec 120 sociétés. Tu es venu, tu n'avais absolument rien, pas de maison, rien. Mais en sortant, tu en as beaucoup maintenant. Des gouverneurs qui font le bruit aujourd'hui. Ils ont créé des routes qui ne pouvaient aider. Kaka, Bani Nabango, Batrak Nabango, Nabamitu Nabango, peut même avoir Baminere. On connaît toutes ces choses, non? On connaît toutes ces choses. Vous allez dans une province, vous trouvez que le gouverneur est dans toutes les affaires. Toutes les affaires alors. Il est dans les mines, il est dans les riz, il est dans les maïs, il est dans tout. Une petite usine qui s'est construite, il a des actions là-bas. Une petite chose qui s'est... Il a des actions là-bas. Alors vous dites, ce gouverneur-là, c'est un bon gouverneur, il va aider le pays. Il ne peut pas aider le pays, pas parce qu'il y a un conflit, il y a des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt dedans. Mais c'est compliqué quand même, non? Je crois qu'il faut changer les modèles. Je crois qu'il faut changer les paradigmes. Et le président de la République, il faut comprendre, Biloko Wana, que pour Mboka Na Biso évoluer, il faut mettre à la messe. Il va être très important pour le président de considérer le fait que Bato Nyo Soba dans la union sacrée, Bato Nyo Soba Oti Moussika, toutes ces personnes-là, ou va travailler déjà dans la cabine. Mais si on va travailler en Mobutu,
Mais si travailler dans nous. Batouana, baza, bakoli, babotami, bakoli, nakati ya moule. Moule, on est dans les moules, il y a farceur. Excusez-moi de vous le dire. Et ça, moule, il y a farceur. Pour la botala yango, botala ka train de vie na bango ba menaka. Botala na ba revenu objectif, fait côté la bango, au moins qu'il y a une décadence. C'est des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. C'est des gens qui travaillent peu, mais qui gagnent plus. Pourquoi? Parce que, bah, gagner dans ma mère, il y a l'État. Bah, t'as pas toi, vous vivre en dehors des circonstances où on a été. C'est des hommes qui sont nés pour faire la politique et vont mourir là-bas. Pour la bango, la politique, c'est une carrière de vie et la fonction publique. N'est-ce plus avocat, bah, journaliste, bah, peintre, bah, chanteur, bango, bah, politicien. Et on a qui a procès, il y a 100 jours, bah, tout le monde, fonction, à lui, ministre honoraire. Donc, et là, c'est nostalgique, au fait. Il est dedans, il peut mourir pour ça. À gros vivre, t'es ça, yango. Il ne peut vivre que dans ça. Et généralement, ils vivent dans la manipulation de la base, de la masse. Koko, c'est la population, à tout moment. Ils montrent qu'il y a des leaders, mais en réalité, ce ne sont pas des leaders, c'est des profiteurs. C'est des arnaqueurs, des vendeurs d'illusions. Bah, un modèle hollandais, bah, tonni na union sacrée. Bazoya na idée mon côté, ils ne viennent pas parce qu'ils aiment Fachi, ils veulent aider Fachi. Non, ils viennent parce qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors. C'est comme des poissons. Ils ne peuvent pas vivre en dehors de l'eau, quoi. S'ils vivent, s'ils ne vivent pas dans l'eau, ils vont mourir. Il y a des hommes et des femmes qui, si une fois, bah, dans la politique, t'es le boumekiti. Sur la zongi politique, le boumebimi. Matame bimi, t'es zongi. Bah, va, bah, c'est comme ça. En fait, parce que ces gens ne vivent que dans des mamelles. Yamboka. Vous avez des hommes comme M. Lisanga Bonganga. J'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. Peut-être parlons-en. Regardez quand il est en politique. Il ne parle pas, non? Quand il est en politique, Kabila, c'est quelqu'un d'incompris. On n'a jamais compris Kabila. Le jour où vous aurez le temps de vivre avec Kabila, vous comprendrez qui il est. Quand il est à Rassop avec Fachi, non, Fachi, c'est notre Josué. C'est l'image du Père. Nous allons être conduits par lui. Parce qu'il espère être retenu. Mais quand on le vire et que l'autre ne le prend pas, ils sont tous des démons. Quelqu'un devient, tout ça, parce que, sur Otali, train de vie, n'a pas de vérité, hein. Bota la train de vie, à ma papa wana. Bota la train de vie, na bango. Yomro, comprendre que, non. Bato, bako vivre en dehors de la politique. C'est des gens qui boivent parfois la champagne tous les jours. C'est des gens qui ont 3, 4, 7 copines. On va foutre la gabandaku, na ville. Moi, je ne vous raconte pas des salades. On se connaît. Ils prennent en charge des familles entières. Bamba papa, il y a un amour à 19 ans, kuna, a beaucoup de famille mobimba. Alors imaginez bah, tout le modèle, on va vivre dans la charge, il y a bongo. Il ne peut pas vivre en dehors de la politique. Il ne peut pas. Parce que l'argent facile, c'est là-bas. Du moment où vous cattiez la politique, mais il peut vous tuer. Et donc, vous voulez biftec. Alors, vous maillot. Si vous battez un modèle, vous pensez qu'ils vont servir quoi? Ils ne vont pas servir la cause nationale. Ils vont servir bah, Libido Nabango. Ils vont servir Nzala Nabango. C'est des ventriotes et des gens qui ne réfléchissent qu'en termes de poche. Alors, si le président Félix Tshisekedi pense qu'il peut réussir à changer le Congo avec des gens pareils, ben, on est parti pour échouer. Ça ne marchera jamais. Jamais de la vie. Jamais. Prenez le temps de côtoyer ces gens-là. Mais ils n'ont pas une vie saine. Ils n'ont pas une vie saine. En fait, la vie sainte dont je parle, je ne dis pas que ce soit dans l'ordre des saints, mais je dis que c'est des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Au-dessus de leurs moyens. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait que quelqu'un soit polygame. Je n'ai aucun souci. Aucun. Je n'ai aucun problème que quelqu'un prenne un verre tous les jours. Ce n'est pas mon souci, mon affaire. Mais je suis contre les gens qui ne vivent que des mamelles de l'État. Parce que moi, je te respecterai. Ceux qui ont le moins de pouvoir, on doit continuer à vivre dans ma moyenne, je comprendrai. Mais pas qu'il y ait une décadence. Au moins, en politique, la vie peut changer. Ceux qui ont le moins de pouvoir, ceux qui ont le moins de pouvoir, non. Tout ça parce que les gens veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Observez. Le paradigme qu'il faut changer pour terminer, le chef de l'État doit avoir des hommes et des femmes qui ont compris sa vision. Des hommes et des femmes qui ont compris sa vision. Et je peux vous scandaliser. Je peux vous scandaliser. Les hommes et les femmes qui ont compris la vision du président, excusez-moi de vous le dire, c'est généralement des jeunes. Ce sont les jeunes gens qui regardent en Fachi un espoir, qui regardent en Fachi un leadership qu'il faut apprécier, qu'il faut encourager.
Pas forcément des gens avec qui il a étudié, des gens avec qui il a mené la vie. Parce que ces gens-là ont aussi, ils se disent, mais oh, Fatia comme président, mon but pas. Et on besoin que président Zawana, Azo, Ayambi Batou, Batou soit ma boucle dans la poche, Batou soit le colo, Nicolas, le colo. Ça dit pour la bonne, on a beaucoup de monde, on a un camarade dans Mangouana. Ou en Dozana, on a ensemble, ou en Dozanga, ils étaient ensemble. Ça dit, ils n'ont pas encore intégré dans leur tête que ça, c'est maintenant un président. Vous allez voir même dans le parti de l'UDPS, il y a des hommes qui continuent à croire que Fatia est un camarade militant à Bango, en fait. Ils, dans leur tête, encore camarade haut. Ils n'ont pas encore intégré dans leur esprit que ce monsieur a sur ses épaules la responsabilité de 100 millions d'habitants. Il a sur ses épaules le 100 ans à venir, Yambo Kanabiso. Il a le destin d'un pays entre ses mains. Non, dans la tête et dans la base de nos bonnes. Voilà pourquoi nous avons dit que le chef de l'État devrait créer une nouvelle génération des fascistes. Pas des fascistes, des fascistes. Des fascistes qui partagent la vision des fascistes. Pas des fascistes en termes d'un parti politique, non. Pas des fascistes qui partagent la tribu, l'ethnie, non, mais pas la religion du président, non. Mais des hommes qui partagent la vision. Ça veut dire le modèle politique, économique, culturel que le président dégage na Katinaï. Ce sont ces jeunes gens-là, ces jeunes femmes-là, qui peuvent l'accompagner pour réussir cette mission-là. C'est ça ce que moi j'appelle, je considère comme le changement de paradigme. Il faut changer le paradigme. Dans la deuxième partie, par exemple, nous avons expliqué Bino, le problème est la finance. Nous avons expliqué Bino. Parce que maintenant, c'est le temps. Ils ont encore tombé ta balle. Ils ont encore tombé ta balle. Si tu as trouvé un moment, il faut que tu aies un but. Parce que le match est comme un souk. Il faut se rassurer. Première mi-temps, c'est comme un ici là. Toi, 15e minute, il y a match. On est dans l'ensemble, on est au début. Parce qu'il faut dire que Fatih a 10 ans de gestion dans ce pays. Si on est rationnel, on comprendra. Si on est objectif, on comprendra qu'il a un potentiel de 10 ans. Parce qu'il va faire un deuxième mandat, ça c'est sûr. Mais maintenant, le premier mandat, qui est considéré, à mon avis, comme première mi-temps, comment ça va se jouer? Comment ça va se jouer? On a perdu 15 minutes maintenant. Est-ce que les 15 minutes, mon sous, tout ça, n'est-ce pas? Ceux qui ont marqué but, trouvé dans la défense, dans la deuxième mi-temps, trouvé dans la défensive, pour protéger but, n'abuso. Parce que tout de suite, tu m'as dit, j'ai but. Donc, tu dis que tu as deux attaquants, Liboso, trois attaquants, Liboso, bah, ça va être un peu, mais tu dois garder le contrôle parce qu'il faut te protéger but, n'abuso. Mais dans la minute, on n'a pas besoin de jouer la défensive parce qu'on n'a pas encore marqué des buts. Il faut marquer des buts maintenant. Alors, déjà, il faut savoir que le coach n'est pas avec, disons, l'arbitre n'était pas avec nous. Maintenant, il faut savoir comment on va faire les choses. C'est à nous de voir. Topé, ça ne va pas si bien pour que tu marques ma but. Toti, qui a individualité, on a un Messi, mais si on a un Messi contre Vita Coppola. Vous avez Messi, vous avez Vita Coppola. La force de Messi, c'est Barcelone. Parce que c'était la force de Messi qui faisait de l'équipe. Messi a la Coupe du Monde, déjà, moi, il m'a. Il n'a pas eu le coup de la Coupe du Monde parce qu'il n'a pas trouvé le même environnement sportif. Ils sont à Barcelone, ils sont en Argentine, ils sont morts. Donc c'est à nous de définir le modèle autant que d'autres jouer. On réussit à le faire, on sauve le pays. On échoue de le faire, on enfonce le pays. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Malobi, maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Malobi, shop, Africa Union. Et donc, t'es un gnosso. Biloko, y a un gnosso, congolais. On y dit, ne connaît pas. A ça, il s'agit. Bon, la Corée, la Yon, on va prendre la Yon. Bon, la Toto, la Yon, on va prendre la Yon. Bon, la Corée, la Yon. Malobi, bio. Bio Africa Union et tout à coup, on a pas si moi, sinon, vous voyez pas, y'a du nom, vous voyez, dit. Mon combo, vous voyez, on a un peu de temps, y'a un peu de y'a fraise, y'a bio, bio na bio, bio na bio, y'a un maman bio, pour la mon canja, y'a un peu de temps, 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 y'a un peu. Et ça, pour dire, n'a pas dit. Oh, maman, mal.
Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matete. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capip et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Mama, nanya zaliawa. Tomato est abonné. Awana tie 500 francs. Oyokuna 1000 francs. Maman Léa finit ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Nazananzela nazozongandako. Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Guinée-Bissau, Toye Mali, Toye Bolo, Nene Yalisa.